Normalement, ça devrait marcher. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un. Bonjour Laurence, bonjour Corinne. Est-ce que vous allez bien? Salut Marine. Tu vas bien? Moi ça va, merci. Ouais, ça va. Bon, les enfants sont en train de jouer à leur truc là-bas. Du coup, j'ai dit, je vais faire un petit live. Ça fait trop longtemps. Attendez, je vais fermer la porte. Donc j'avais envie de faire une petite série d'ATC. Salut! Alors du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas le faire en live? J'avais envie. Ça peut être pas mal. Coucou Anne. Et en plus, j'ai un petit truc à vous partager. Oh, je suis tellement contente! J'ai un code promo à vous. Hop! Comme ça. Et je pense qu'il sera valable tout le temps. Donc je suis trop trop contente en fait. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. C'était la première fois que je faisais ça. Et voilà, maintenant il va falloir que je le mette dans la barre d'information après de mes vidéos et tout ça. Mais je suis trop contente d'avoir osé demander en fait. Hop. Bon, comme je veux pas non plus que ça dure trop trop longtemps, j'ai pris des chutes de papier blanc. Voilà, ça va être pour faire des tamponnages. J'ai déjà prédécoupé mes ATC, mon format d'ATC. Donc les ATC, c'est 8,9 sur 6,4. Donc ça, c'est la base noire. Voilà. Et comme j'avais envie de mater, hop, j'ai pris des papiers qui font 8,6 sur 6,1 et comme ça fait un petit matage blanc, enfin un matage noir avec mon ATC comme ça, qui sera comme ça. Voilà. Donc je vais faire une série de 5 ATC. Donc, ça c'est les dos des ATC, enfin les fonds des ATC. Hop. Ça c'est ce qu'on va... C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser. Je sais pas si je vais les tamponner. Je pense que oui. Et préalablement aussi, j'en ai tamponné et embossé à chaud, en doré. Donc, c'est des fleurs. Aujourd'hui, je vais utiliser ce tampon-là. Donc, c'est le tampon Mama Elephant Stems and Sprigs. Voilà. Je ne sais pas si
Aïe. Si je vous... Ouais, si c'est bon, vous voyez bien. Donc voilà. C'est cette planche de tampon-là que je vais utiliser pour faire mes ATC. Et puis je vais utiliser peut-être de l'encre, tout ça, de l'aquarelle, je sais pas. En fait, je pensais faire une tache d'aquarelle au centre, si vous voulez, et après faire un bouquet de fleurs sur les côtés. Et un petit sentiment ou un truc comme ça peut être pas mal. Bonjour Caroline. Donc voilà. Est-ce que vous êtes en train de scraper ou qu'est-ce que vous faites en étant ici? Vous allez scraper en même temps que moi. Qu'est-ce que... Racontez-moi un peu. Oui, un live, j'en fais pas beaucoup, hein. Mais des fois j'aime bien. Puis le chéri est pas là, du coup, quand il est pas là, c'est mieux parce que j'aime pas quand il m'écoute. Je suis timide alors, j'aime pas quand tu m'écoutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se tamponner quelques fleurs. Je suis sur un DP. Un DP. Ah, un diamond painting. J'étais en train de me demander. Je plane. Et c'est quoi le thème? Bonjour Laura! Un cow-boy. Oh là là, il faut absolument que je vous fasse des vidéos sur mon diamond painting aussi, que je n'ai pas avancé depuis que j'ai reçu. Bonjour Laetitia. Et il faut que... Là, j'ai le presse. J'ai jamais essayé. Tu es allé te baigner au lac pas loin de chez moi? C'est pas vrai. C'est vrai? Des confitures. Confiture de pêche maison, miam. Oh, puis il faut me tutoyer, hein. Hop. Donc je tamponne à la Memento, parce que je pense que je vais utiliser peut-être feutre à alcool ou... Je sais pas encore. Mais pourquoi tu n'as pas envoyé un message? Ça aurait fait l'occasion. Moi, je kifferais dire bonjour. J'en avais 2, 4, 6. Ouais, je vais en faire 6 de chaque, je pense, des fleurs. Déjà, ce sera pas mal. Ah, je cherchais mon nettoyant. Je regarde tranquille dans ma cuisine. Bon, je vous avoue, hein, du coup, comme je lance un live là maintenant, j'ai quand même les enfants à m'occuper après, hein, à manger. Donc j'ai déjà fait cuire des pâtes. Ce soir, c'est les restes. Et comme il n'y avait pas grand-chose, j'ai refait un tout petit peu des pâtes pour les enfants. Et moi, c'est salade et cake que j'ai fait hier. Oh, je l'ai loupé. Et alors, si t'étais pas loin de chez moi, comment t'as trouvé? Bon, entre-temps, je nettoie toujours avec mon nettoyant, hein, mon tampon. Bonjour Stéphanie. Et... Oubla. Je vais peut-être faire un truc. Non, c'est bon.
Donc, que vous dire? Bon, je vais vous raconter en fait ce que j'ai fait. Depuis le confinement, j'ai découvert le site Éclat de Verre. Bon, je vous en avais déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé parce que sur le site Éclat de Verre pendant le confinement, j'ai commandé du carton gris et j'ai surtout commandé du ski vortex pour faire mes albums. Donc là, je ne vais pas détester car je ne saurais pas quoi en faire. Il faut les échanger en fait. Donc là, si je fais ça, c'est après du coup, je vais proposer à l'échange mes ATC. Ça fait longtemps, hein, très très longtemps que j'en ai pas fait. Donc oui, je vous avais dit que maintenant je commanderai mon carton gris chez l'éclat de verre et tout, parce que j'avais bien aimé la livraison, l'emballage, les prix étaient pas, sont pas très élevés, tout ça, tout ça. Bon. Donc la dernière fois, j'ai zoné sur l'éclat de verre. Et il n'y a pas que du carton gris et du ski vertex. On y trouve de la colle, des bons outils pour faire du cartonnage et tout, qu'on peut se servir du coup nous pour faire du scrap. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai envoyé un mail au service client en leur disant oui, bonjour. Comment je leur ai dit ça? Bon, en gros, que je voulais savoir si c'était possible qu'ils me donnent un code promo pour vous. Le truc improbable. Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui. Donc, ils ont créé un code promo. Un code promo valable tout le temps. Donc, sur l'éclat de verre, la livraison, elle est gratuite à partir de 40 euros. Donc franchement, je trouve que c'est super raisonnable, quoi. Et ils ont offert un code promo de 10%. Et ben, je suis super contente parce que je trouve que 10%, c'est déjà pas mal. Alors du coup, je vais vous mettre dans les barres d'infos maintenant et tout. Il y aura un code promo de 10% sur le site Éclat de Verre et vous pourrez bénéficier de ça. Voilà, c'est facile, c'est Alex10. Donc, du coup, avoir une petite ristourne à chaque fois, c'est top. Du coup, j'étais contente. Et moi, je vais au mois de septembre recommander chez eux. Refaire. Le plein de cartons, même si j'en ai encore, comme ça, franchement, je vous jure, j'ai reçu un. Bon, ben, vous imaginez bien la taille des cartons gris, 2 mm, c'est 60 par 80 cm. Donc, le carton était énorme, 60 par 80, c'était emballé du feu de Dieu. Et le carton, du coup, 2 mm en 60 par 80, il est à 2,40 €, si je dis pas de bêtises. Et les ski vertex, il y en a à 5 euros et quelques pour des coupons de 50 cm par 30, je crois. Et après, moi, j'ai acheté des coupons qui font 1 mètre. C'était tout bien enroulé et tout. Comme ça, je vais vous montrer. Le ski vertex, il est arrivé emballé comme ça. Hop. Donc, il est sur un carton rond, là, comme ça, là. Un tube. Je vais y arriver. Comme ça, il n'est pas abîmé et tout ça. Et ça coûte 8 euros. 8 euros et les poussières. 8,90 €. Et franchement, pour il y a 1 mètre. Attendez, je vais regarder en même temps sur le site. Et du coup, 10%, non, c'est toujours bien. C'est toujours bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Parce que des fois, on cherche toujours à réduire un petit peu, soit les frais de port si on n'a pas atteint le maximum et tout. Et ça peut toujours servir. Franchement, sur 30 euros, ça fait 3 euros. Si les frais de port sont de 6 euros, ça fait la moitié des frais de port. Donc,
Non, je trouvais que c'était super gentil de leur part, du coup, j'étais trop contente. Alors, oui, c'est ça, 8,95 et ils font 65 cm par 1 mètre, les coupons. Donc, franchement, pour 9 euros, il y a de quoi faire plusieurs albums avec. Et moi, j'aime de plus en plus utiliser ça. Ouais, il y a plein de trucs. Oui, il y a plein de trucs. Il y a de la colle, il y a du. Comment s'appelle le truc qu'on en colle, enfin, qu'on mouille pour que ça colle. Du craft gommé, vous trouvez des plioirs, vous trouvez des cutters géniaux, le carton, il y a d'autres papiers. Moi, je sais que j'avais acheté des grandes feuilles de papier en 60 par 80 aussi, là, en grammage 300 grammes, en grammage pour faire des reliures et tout. Enfin, franchement, non, il y a plein de petits trucs. Bon, après, il y a des trucs que, par exemple, j'achèterais pas sur leur site, quoi. Mais franchement, il y a du relon. Ça, le relon, je vais tester, je pense, une prochaine fois. Alors, la toile relon. Par contre, je voulais un coloris. Ah bah voilà, on parle du relon. Oui, il y a la cartonnette crème, enfin tout. Le carton épais 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Alors, le relon, c'est une toile. C'est. Alors, attends. Hop. C'est une toile en fait qui est tissée et enfin je trouve la texture, je pense que ça peut être super pour faire une reliure au milieu de deux papiers. Ouais, c'est très costaud comme truc. Et j'attends d'avoir un coloris un peu passe-partout. Enfin de j'ai mis dans mon. Vous savez, me prévenir quand ça revient en stock, là. Un coloris neutre. Parce que là. Du rouge, du noir. Ça coûte un peu plus cher. Du coup, ça coûte, on va dire, entre 12 et 13 euros le relon. Le coupon de 70 cm par 1 mètre, quand même. C'est une toile viscose, il y a marqué Marine. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, moi, j'aimerais bien un truc naturel. Crème, ça m'irait très bien, vous voyez. Ou un peu gris. Voilà, je voulais l'un naturel en fait. Mais elle n'y est pas. Elle est en rupture de stock. Du coup, j'attendrai qu'elle revienne. Mais là, j'ai. Salut Corinne! Salut Sophie, j'ai loupé. Ah bah voilà. Merci Corinne pour cette information. Elle garde les plis et le collage est super simple. Bon bah super, voilà. Donc le relon, c'est mon prochain truc que je veux tester. Et oui, chez eux, là, dans mon panier, il y aura du Skiller Tex pour faire plusieurs albums. Donc du jaune. Pour faire la collection Yellow. Une sorte de vert kaki pour faire la collection plume de mes petits ciseaux. Et je voudrais du rouge pour Noël. Ça peut être pas mal, je pense. Donc voilà. Donc j'ai osé demander ça. Et donc n'hésitez pas. Je vais essayer de modifier ma barre d'information là pour les prochaines vidéos. Et du coup, je remettrai le code promo là, mais c'est facile, c'est Alex10, ça donne 10% de promotion. Et ils m'ont pas dit s'il y avait un minimum d'achat, donc je pense qu'il n'y a pas de minimum d'achat. Hein. Donc voilà. Et je suis contente que j'ai osé demander ça, quoi. C'est pas un exploit, mais voilà. Alors, bon, on va faire une petite colorisation au crayon de couleur feutre à alcool, là. Vous allez voir la grande dextérité de la colorisation. Hop.
Salut Jessie. Coucou. Des couleurs un peu plus flash. Tac. J'ai mon meuble, mais il fait un peu bizarre. Ah, mais je me demandais qu'est-ce qu'il faisait comme bruit. Oui, j'estompe au blender de filtre à alcool. Alors c'est un vieux blender que j'utilise que pour ça. Voilà. Mais ça marche plutôt bien. Ouais, l'encre minérale aussi, je l'ai, hein, mais c'est vrai, je l'utilise jamais. J'utilise jamais. Bon, j'ai plusieurs crayons. C'est des vieux de chez Action. Il y en a. Des boîtes qui étaient sorties au tout début, celle-là. Bon, du coup, j'aurais dû les colorier avant, avant parce que je vais pas avoir le temps de faire les ATC en entier avec ça. Pas grave, je les finirai, puis la prochaine fois je referai un live et je verrai bien si quelqu'un en veut. Si quelqu'un en veut des ATC. Franchement, ça doit faire plus d'un an que j'en ai pas fait. Que j'ai pas fait d'échange d'ATC avec quelqu'un. Donc l'envie m'a pris. Et puis ces tampons fleurs, ils sont tellement beaux. C'est vrai, t'en as jamais fait? J'en faisais tout le temps avant. J'en ai un classeur plein. J'en ai reçu plein. J'aime bien les ATC, ça passe partout. En plus, ah ouais, non, au début, j'aimais en faire, puis je me suis lassée. Ouais, bah, je pense que moi aussi, j'ai eu ma période. Ça m'a saoulée au bout d'un moment de faire des ATC. Et puis, je sais pas, tout à l'heure, j'y ai pensé, je me suis dit, oh, tu ferais pas une petite série d'ATC, là?
Et puis je lui dis, bah ça, c'est l'occasion, tu branches, tu mets le téléphone, tu fais un petit live. Et puis voilà. Moi, j'ai fait plusieurs modèles d'ATC. J'aime bien en faire, mais que de temps en temps, progresser en plus, si je fais un échange. Ouais, c'est pas faux. C'est bien quand tu fais des échanges. Bon, ma pointe là, elle est mortibus. Elle est sèche. Alors, normalement, j'en ai un deuxième. Non? J'en ai plus. On va l'utiliser de l'autre côté. Sinon. Ta-da-da-da-da. Bon, sinon, vous êtes en vacances ou vous travaillez, vous avez repris le travail? Racontez-moi un peu. Marche plus. En chômage partiel, pas loin de retourner au boulot pour le moment. C'est vrai? J'aime bien ce combo de couleurs là, rouge, je pense que je vais partir sur ça, uniquement sur ça. Je faisais des tests là, mais vous allez voir, je vais changer d'idée. Je vais partir sur du jaune. Hop. Avec l'embossage doré, ça va être... Alors, ben j'en profite pour faire une formation à distance pour l'instant. T'as bien raison. Mais c'est une formation de quoi au cas où? Et Marine travaille mais en confinement à la maison. Ouh, collègue a eu le Covid et toute l'équipe ne travaille pas pendant 14 jours. Ah ouais, d'accord. Courage, ça fait longtemps là que t'es en quatorzaine? Oh, la sciatique dure. Courage, Sophie, soigne-toi bien. Ah oui, d'accord, Créadélice. Vaut mieux pas plaisanter là. Faut faire gaffe. Hein. Alors, as-tu vu les visuels de la prochaine collection de Florège qui commence à pointer le bout de son nez? Ah, je ne fais que ça! Je ne fais que regarder ces visuels. Je pense que Marine est pareille que moi, non? C'est affreux. Affreux, 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 affreux. C'est affreux. Mon Dieu. Aide-soignante, as-tu fait une formation secrétaire médicale? Ok. Et Marine, depuis samedi? Ok, bon ben, tu vas en profiter pour scraper, t'as bien raison. T'as bien raison. Faut bien mettre à profit ces jours enfermés chez soi, hein, de toute façon. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Et alors, les visuels de la prochaine collection de Florilège Design, eh ben, ils vont m'avoir. Ils auront raison de mon porte-monnaie, comme on dit. C'est affreux. J'espère qu'ils sortent pas tout l'alphabet, parce que alors là, sinon,
suis morte. Hein. Ah, salut Séverine, ça va et toi? Ah, là, s'ils nous font l'alphabet entier, moi, je vais pas y arriver. Hein. Ah. Ça sort à la fin du mois, là. D'ailleurs, j'ai demandé. Hein. La fille acharnée. Ah ouais, on est ainsi à tout l'alphabet, on est foutu. On est clairement foutu. Déjà que. Hein, vous avez pas vu, mais j'ai fait pas mal d'achats. Enfin, vous allez les voir parce que du coup, les hauls vont reprendre sur ma chaîne, ça y est. L'envie de vous montrer aussi. Voilà. Je vous ai fait des hauls groupés. Donc, vous allez voir. J'ai acheté pas mal de tampons MFT. Et bon, vous savez le prix des tampons MFT, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Bon. Bon, je cherche dans mes trucs là un blender. Bah tiens, il y a un twin marker. Hop, parfait. Ah bah là, pendant les vacances, enfin je dis les vacances, mais je parle des vacances scolaires quoi, j'ai passé commande un peu partout, Amazon, Ephemeria, d'ailleurs ça ne devrait pas tarder à partir, Carglass, Seven Hills Craft, et voilà, je crois que la seule boutique où j'ai fait les soldes, c'est Ephemeria. Cette année. Donc ça, j'ai acheté le dernier jour des soldes parce que bon, je voulais pas louper, je voulais pas louper les papiers et tout quand même. Donc j'ai acheté des feuilles de certaines anciennes collections et des collections qui étaient en solde pour faire des gros albums en fait, vous savez, les albums pop-up là. Et après j'ai beaucoup acheté des planches de tampons My Favorite Things, MFT. Mais quand je vous dis beaucoup, j'en ai beaucoup acheté. On dit merci Vinted. Oh purée. Heureusement, j'ai vendu des trucs sur Vinted parce que sinon, je vous jure, je serais ruinée. Ah ouais, merci Vinted. Non mais c'est affreux, sinon c'est pas possible, tu peux pas suivre. Hein. Moi je peux pas suivre. Hein. Il faut en profiter. Profitons-en. De tout ça là, Vinted et tout, franchement, on peut vraiment faire des bons coups. Hein. Moi j'ai vendu beaucoup de trucs, donc merci aux filles qui ont acheté et tout. Franchement, ça fait que j'ai pu investir dans d'autres trucs. Hein. De toute façon, dans les hauls, je le dis bien, hein, sinon je peux pas me permettre d'acheter tout ce que j'ai acheté. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Mais bon, voilà, j'ai réinvesti. Dans les tampons, moi vous savez que j'adore la carterie et puis j'aime les tampons américains. Hein. J'adore. Ça rentre pas super avec l'eau dorée, non, j'ai l'impression. Non, ça le fait pas. J'aime pas trop. Je préférais quand même là-dessus. Vous aussi, non? Je crois que je vais arrêter avec le doré. Hein. La fille, elle sait pas ce qu'elle veut. Attendez, on va colorier celle-là. Il me faudrait un crayon.
Non, mais puis on verra bien là à la fin du mois si. Si c'est tout un alphabet ou que quelques lettres. Bon, si c'est que quelques lettres, ça va être toujours. Bonjour Juliette, ça va être toujours les mêmes par contre. Ça va être la lettre L pour love, le B de bonheur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être le A de amour ou un truc comme ça. Vous voyez, je vois bien des. Je vois bien des lettres comme ça. Pas vous? Après, la collection automne, ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. Parce que bon. Ouais, voilà, un Z pour zen, des trucs un peu passe-partout, quoi. Coucou Virginie! Je suis contente que tu sois là, Virginie. Donc on verra ça. De toute façon, on va avoir les visuels là. De plus en plus. Et puis normalement, c'est pour le 26. Le 26 août. J'ai posé la question. Est-ce que tu vas bien, Virginie? Nini? On l'a vue sur Instagram. Elle va sortir fin du mois. Oui, fin du mois d'août. On est foutu. On est foutu, on est foutu, je te le dis. Ah, c'est sûr que tu vas craquer toi aussi, hein. Ah, moi aussi, j'adore les vidéos de Virginie. Il y a quasiment tout l'alphabet? Ah ouais, non. Marine, quand elle me dit ça, j'adore, avec le petit bonhomme. Je suis sûre que là, du coup, le temps qu'on. C'est vrai? Attends, j'y vais. Je pose mon crayon, j'y vais de suite. La fille, Flo, rit. Ah, j'arrive plus à écrire. Ça s'appelle à la lettre. C'est ça, hein? Les collections. À la lettre. Coucou Misoscrap. Bon alors, étiquette alphabet, embellissement bois, pochoir alphabet. Alors attends, il y a des petits personnages choupinous là, non? Attends, les choupinous, ils s'appellent. Accessoires choupinous. Qu'est-ce que on va regarder ça. Oh! Ouais, un bonnet. Bon, ça. Ouais. Oh, mon Dieu.
Oh. Voyage, tendresse, souvenir, rire, portrait. Ouais, bah en fait, ils veulent nous ruiner, quoi. Oh non, il y a tout la fapée. Mais on pourra pas tout acheter, les gars. Comment on va faire? Bon, déjà, par exemple, la lettre A, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Attends, tiens, je mets le lien. Hop. C'est ici si vous voulez voir la collection. Bon, la lettre A, c'est adorable. Oh mon Dieu, il y a un petit. J'adore les fleurs avec les. Je suis dans la mise. S souris. Bon, je vais tout ouvrir. Je suis foutue. Non, mais il va falloir acheter des planches petit à petit, quoi. Parce qu'au prix de la planche de tampon, hein, le petit renard, il est trop chou. Oh, petit panda. Oh, un petit zèbre. Non, un tigre. Oh, ouais. Un tigre. Une petite vache. Après, bon, le. Du coup, ah, c'est pas un mouton, c'est un agneau. Si on suit la logique. Je vais prioriser en fonction du petit animal mignon. Oh, purée. Attends, mais je suis en train de regarder, du coup, je suis à quoi? Renard, panda, j'ai vu. Après, j'en suis à la N. M, L. Moi, je vais prendre, je pense, bah, les lettres pour mes enfants, le K, le L. Bon, après, j'aurais bien voulu prendre le S, le. Plein, quoi. C'est tellement une bonne idée. Mais moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que les marques, maintenant, elles fassent des trucs pour la carterie. Les hystériques. On est foutus, bon sang. On est foutus. Moi, je voudrais des trucs pour la carterie. Parce que vous voyez, moi, j'adore faire des cartes et tout ça. Voilà. Faut dire, hein, les tampons américains. Mais je veux des sentiments en français. Et c'est tellement dur de trouver. Alors, bon, pour le N, un petit nounours. Oh mon Dieu! Regardez le M! Oh Marine, le M! Regarde le M! C'est un petit pingouin! Le petit lapin! Le K, c'est un petit singe! Oh, ça va bien, mon fils! Ça, tiens. Le J, un petit jaguar! Le I, un petit hibou. Mais bon, normalement, c'est avec le H. Le H, c'est un hérisson. F, le petit faon. Oh. Et voilà, il y a plein de mots là. Frère, fille, février, félicitations. Voilà, donc le F, il le faut pour le félicitations. Bon, le G de girafe. Le E, un éléphant, ouais. Le D, un petit dragon. Et le B, eh ben c'est un bulldog. Le C, le chat. Ah oui, c'est ça. Et j'ai pas vu le L. Je l'ai sauté. Ah non, il est là. Bah oui, c'est le lapin. Attends. Le hi comme hibou, bah oui. Bonjour Fabi.
Oui, moi aussi, je préfère un hibou, un hibou, qu'un petit iguane. Oui, mais pour la carterie, pas trop, non, Marine? À moins que j'ai loupé, la planche de tampon. Bon, les filles, j'arrive pas à coloriser aujourd'hui, là. Vous m'avez franc perturbée. Ah, je suis toute perturbée, moi, avec cette histoire. Bon, alors, attendez. Je vais m'arrêter avec cette colorisation un peu crâne, là. Ça va pas du tout. Alors, je vais changer de technique. Je suis franc perturbée. Ça va pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop. Les ATC sont des petites cartes à échanger. Normalement, c'est Artist Trading Card. Donc, c'est des petites cartes comme ça qui font 8,9 cm sur 6,4 cm. Et dessus, on fait un petit dessin, un petit truc. Voilà. Après, moi, je vais mater ça comme ça. Bon, bah, du coup, je ferai ça hors caméra. Parce que ça va pas du tout. Je suis trop en train de penser à Florilège là. Ah, vous m'avez perturbée. C'est horrible. Non, en fait, je voulais faire. Mais je pense que du coup, je le ferai hors caméra. Mais je voulais refaire ces fleurs-là, ces magnifiques fleurs. Voilà. Donc, je le ferai. Et je vous montrerai quand. Quand je les aurai fait. Voilà. Et oui, je vais blablater du coup. Vous m'avez tellement perturbée. Et d'ailleurs, Nini, la dernière fois, on parlait Skeever Tex, non? Bref, je vais le marquer dans ma chaîne des commentaires, là. Hop. J'ai code promo Alex10, donne pour cent. Sûr? Voilà, code promo Alex10 donne 10% de réduction sur la boutique Éclat de Verre, là où moi j'ai acheté mes skis Vertex. Voilà, si quelqu'un lit les commentaires là, au cas où. Oui, j'ai osé demander un code promo et ils m'ont dit oui. Donc je suis contente, donc je partage l'information. Mais de rien, bah, je me suis dit, c'est toujours bon à prendre. Donc, je vais demander s'ils ne peuvent pas me faire un petit truc. Et voilà, donc ils ont accepté. Donc, c'est très, très gentil à eux. Au début, je me suis dit, jamais ils vont me répondre et tout ça. Ah ouais, purée. Non, mais moi, il faudrait que j'achète un magasin, Florilège. C'est pas un code promo qu'il faut, là. C'est... Oh, purée, je vous jure. Non, mais. Ah, eh bien, je sais pas. J'ai pas demandé. Je pense que c'est uniquement par internet. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur le mail? Ah, mais je peux pas regarder. Le téléphone, c'est là où. C'est là où il y a le... vous êtes en train de faire le live. Donc, non, je peux pas regarder mon téléphone. Mais je te dirai, Corinne. Au pire, je renverrai un mail pour savoir si on peut l'utiliser en boutique. Bon, vous savez quoi? Déjà, je vais préparer mes ATC du coup à la... Hop là, je vais faire les arrières des ATC, comme ça m'obligera à continuer mon truc. Donc, hop, voilà. Et de l'encre blanche.
Voilà. N'empêche, j'ai ouvert tous les trucs là à côté de vous. Et voilà. Attendez ça, j'ai pas regardé cette planche de tampon là. Oh, c'est tellement mignon. C'est pas possible de faire des trucs aussi jolis. Et vous savez quoi en fait? Cette collection là de tampons et tout, en fait, ça vient de Sakura. L'idée d'en faire des tampons. Ouais. On ne se moque pas, Nini. Oui, on m'a perdu. Non, mais si on regarde bien, ça vient de là. Parce que c'était dans la collection Sakura où il y avait ces jolies lettres là. Je suis sûre que ça vient de là, non? Ah, je vais aller chercher la pochette. La pochette Sakura. Est-ce qu'il me reste un bout de papier avec des bouts de lettres? Ouais, c'est ça, c'est les cartes. Ouais, comme ça. Je les avais adorées, hein, remarque. Hein, Ah ouais, il est trop beau l'album de Nini avec la collection Sakura. Moi aussi, j'ai adoré celui-là. Il est beau, mon chat. Salut, Malo Malo. Il a le sens de la pose, c'est clair. Moi, mon chien, j'essaye de le prendre en photo. C'est une catastrophe. Il se casse, il bouge. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Ah ben, j'ai pas fait grand-chose. Elles m'ont perturbée. C'est de leur faute. Il faut les engueuler. Je voulais faire des ATC. Et du coup, j'étais franc perturbée. Donc, la colorisation, c'était nul. Et après, je me suis perdue sur le site de Florilège. Voilà. Pour voir la prochaine collection. Et je me dis que, tu vois. Je serai ruinée. Que je vais mourir pauvre, ça c'est sûr. Hein. Ça, moi je pourrais pas mourir riche, ça c'est certain, avec des collections pareilles. Ruiné avant d'avoir les sous sur son compte en banque. Vous imaginez? Affreux. C'est affreux. Horrible. Puis alors, je suis d'une mauvaise foi. Incroyable.
Non, c'est pas vrai. C'est de ma faute. J'étais totalement perturbée, là. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Ça ne vient que de moi. Bon, alors attendez, du coup, il me reste quand même des fleurs à coloriser sans faire de bêtises. J'essaye de. Je vais faire la même technique que la dernière fois. Je vais utiliser juste les crayons de couleur. Papier canson blanc vendu chez l'éclat de verre. C'est en grande feuille, ça, non? Moi, j'en ai acheté, il me semble, des grandes feuilles. Et ça devait être ça, papier canson. Comment j'ai fait mon compte la dernière fois? Je sais plus comment j'ai colorisé la dernière fois. Ouais, ben moi j'ai bien aimé, hein, franchement, j'en avais pris pour faire des. En fait, moi je me suis acheté des trucs sur l'éclat de verre là pendant le confinement pour faire ça. Voilà. Bon, d'une parce que j'avais plus de carton, donc voilà. Mais j'ai fait mes boîtes de rangement avec tout le matériel de l'éclat de verre. Il y a juste le craft gommé que j'avais déjà. Donc j'en avais pas racheté, mais voilà, j'avais racheté du carton, des grandes feuilles de papier blanc. Après là, dans le fond, j'ai mis du papier coloré. Hop, voilà, il est bleu turquoise. C'est mon fond. Mais c'est des grandes feuilles de canson, ça. Celle-ci, je l'ai peut-être pas achetée chez l'éclat de verre, mais franchement, non, non, bien, le papier canson, il est bien. C'est très résistant pour faire des reliures d'albums et tout, hein. C'est top, hein. Bon, du coup, on dit que la troisième fois, c'est la bonne, hein, pour la colorisation. Pour faire de la carterie, elles sont assez épaisses. Ouais, bah moi, pour faire la carterie, j'utilise du papier 210 grammes. 250 grammes. Ou 210 grammes si c'est du noir. 250 grammes, c'est bien pour faire la carterie. Et si c'est du papier lisse, type Bristol, tu peux faire la colorisation au feutre à alcool dessus. Ça t'évite d'acheter, du coup, d'autres trucs. Ouais, bah, mes boîtes de tampons, là. Je les ai faites maison parce que je trouvais pas ce que je voulais sur Internet. Bon alors, on essaye de se concentrer. On fait pas de bêtises. De rien. Il faut une couleur plus claire. Oui, bosse un peu, t'as raison. Bien sûr, j'attrape pas la boîte de rose. Il faut que je m'achète une trousse pour ces crayons de couleur là. Je les ai prêtés à mon fils. Il a tout mélangé. Du coup, pas la peine. Je vais faire violet et rose. Ouais, trop dur de trouver des boîtes pour tampons. Donc j'avais fait maison et franchement je suis ravie, 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 ravie d'avoir fait ça toute seule. Franchement. D'une parce que du coup ça rentre super bien dans mon meuble, forcément. Et.
Et du coup, j'ai plus qu'à acheter les pochettes après. Les pochettes plastiques. Tada! Bon. Ça, c'est pas mal. Je préfère. Alors, j'ai voulu investir dans les Weston Boxes là, et Craftelier a sorti des boîtes eux aussi. Ils ont sorti leur propre boîte comme ça, un peu là, type Western Boxes. Donc, j'hésite sur Craftelier, elles sont à 5 euros pièce. Enfin, non, elles seront peut-être plus chères du coup, parce que c'était pendant les soldes qu'elles étaient à 5 euros pièce. Mais je vais voir. Parce que c'est pareil là, du coup, pour les tampons bois, je vais vous montrer. Je vous bouge, hop. Pour les tampons bois, j'ai un meuble comme ça là, le meuble Alex. Oh, regardez pas le bazar, c'est Bagdad. Et j'ai deux tiroirs pleins, donc ils sont mis l'un au-dessus de l'autre, hein, parce qu'il y a deux étages à chaque fois. Et on voit pas. Et quand je cherche un tampon, c'est dur. Donc je voulais investir dans une boîte comme ça et après les ranger dans un casier de mon meuble à Ikea là. Donc je ne sais pas si je vais faire ça ou si je vais ou si je vais pas acheter des boîtes à pizza. Des boîtes à pizza et puis les empiler et mettre des thèmes devant. Et voilà, aller à la pizzeria et puis demander s'il ne veut pas me vendre des cartons vides. Et puis au pire, à l'habiller devant. Par exemple, j'avais imaginé, donc il y a les boîtes en carton comme ça, les couvrir de papier pour que ça fasse moins carton de pizza, quoi. Et marquer un petit chiffre, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et après, dans mon Traveler Notebook ou quoi, je mets dans le carton 1, il y a tel tampon. Voilà, et je tamponne. Comme ça, je sais. Quand je veux chercher un tampon bois, j'ai juste à regarder sur mon feuillet quel tampon je cherche. Et puis, je me dis, ah bah, je veux ce tampon, il est dans la boîte numéro 3. J'attrape la boîte numéro 3 et du coup, j'ai mon tampon. Vous voyez? Je pensais que c'était pas mal aussi comme idée. Parce que bon, ça c'est le chien qui éternue, hein, vous en faites pas. Non mais laisse-le, Faya, il gêne pas là, laisse. Que du coup, je trouvais que c'était pas mal aussi comme idée. Puis les boîtes, ça va bien à un moment, mais ça coûte aussi un bras, hein, mine de rien. Et moi j'en ai des tampons. Hein. Je les collectionne, ouais, j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai quasiment une centaine, je crois, de tampons bois. Du coup, il m'en faudrait beaucoup, quoi, de boîtes. Donc, c'est à voir. Mais je pense que le carton de pizza sera quand même plus économique. Et puis, voilà. Des fois, il faut savoir se contenter de pas grand-chose. Par contre, il y a un truc, ça je ne vous l'ai jamais montré, et c'est un truc pas cher chez Action, et c'est super. Je vais vous montrer. C'est ça. Ça, je le mets dans ma rascogne. Donc ça, c'est une boîte à jambon. Enfin, il me semble que c'est une boîte à jambon, normalement. Chez Action, en fait, je crois que c'est un truc comme ça. J'ai trouvé ça, pardon du bruit, dans le rayon des boîtes là pour les frigos et les trucs comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a deux étages. Un petit étage où les petits pads y rentrent nickel. Donc j'ai tous mes petits pads comme ça. Et après il y a un deuxième étage
où je mets les encres que j'utilise le plus. Du coup, il y a mes verres saffines, mes verres saffines clairs et mes mementos. Comme ça, hop, ça prend pas la poussière, il y a le couvercle et c'est juste à côté de moi. Ouais, il faut beaucoup de jambon. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça me paraît bizarre que ça soit une boîte à jambon, mais il me semble bien que sur le visuel, il y avait marqué pour mettre du jambon, quoi. Bon, bref. Mais c'est une super boîte. Ça m'a pas coûté grand-chose. Ça fait longtemps que je l'ai, ça. Pas trop fragile le plastique. Franchement, pas trop. Hein. Et costaud celui-là. Et moi, elle est dans ma vascog. Donc, après, on peut mettre aussi des feutres, hein, ça rentre. On peut se mettre des feutres comme ça et tout. On peut se faire un essai-faire un minimum, quoi. Vous voyez, une paire de ciseaux, un cutter, un truc pour mettre à portée de main, ça peut être pas Et moi, je vais hop, là dans la rascogne et c'est super. Non, donc voilà, la boîte transparente là de chez Action. Au pire, la prochaine fois, j'y vais dans la semaine chez Action. Si je la vois dans mon magasin, je la prendrai en photo. Vas-y, donne-nous ton idée, Corinne. On est toutes oui. Ah mais tu me l'as déjà donné cette astuce, non? Vas-y, dis-le, oui. Moi, je crois que tu me l'as déjà dit en commentaire une fois sous une de mes vidéos. Si c'est ce à quoi je pense. C'est ça, c'était une trop bonne idée. Décoller le tampon pour en faire un applicateur d'encre. Sérieux. Trop trop bonne idée quoi. Un bout de scratch et c'est parti. Ça c'est une idée. Ah ouais, non mais franchement c'est top. On dit merci Ah, des fois. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, promis, je vais essayer d'en faire un peu plus des lives. J'aime bien, hein. J'aime bien blablater des fois comme ça. Ça fait du bien. Puis moi, par chez moi, il n'y a pas grand monde qui fait du scrap. Alors des fois, je me sens un peu seule, vous voyez. C'est bien d'échanger avec des gens qui partagent le même intérêt que toi.
Non, mais tu... Non, pas maintenant. On se brossera les dents tout à l'heure quand on aura mangé. D'accord? Bah ouais, parce que au prix où c'est les scrap merpilles et petites filles. Parce que les applicateurs, hein, ça aussi ça coûte un bras. J'en ai racheté là sur Amazon cet été, et ben pas donné, hein. Et franchement, la qualité des mousses, déjà, elle laisse à désirer, ça s'est dégradé, hein. Si vous avez remarqué vous aussi ou pas, ou si c'est que moi qui suis tombée sur un lot un peu défectueux. Bonjour Marie, bonjour Nadine. Enfin oui, bonjour, bonsoir. Donc bah j'en fais quand même hein, parce que j'aime bien, ça me détend tout ça. Mais bon. Voilà. Regardez, en bleu et en rose, ça le fait, hein. Donc après, je découperai que les têtes des fleurs et je ferai des couronnes sur mes ATC. Donc je vais plus tard, je tamponnerai d'autres fleurs. Et voilà. Et donc là, j'ai colorisé avec ceux-là. Ils sont bien ceux-là. Je les aime beaucoup, beaucoup, moi. Et j'ai fait juste, comme ils sont un peu gras, j'ai fait juste, j'applique le foncé d'abord, là où il y a des ombres, et après j'applique partout la deuxième couleur un peu plus claire. Voilà. On va tester celle-ci, on va mettre un peu du jaune. Du jaune et du orange. Du orange et du jaune. Tac. Ouais, tu vois, hein, c'est pénible, hein, c'est franchement les mousses, je suis vraiment déçue, quoi. Donc jaune clair à l'intérieur, j'ai dit, et c'est orange après. Où est-ce que je le mets déjà, le foncé là? Dans le cœur, dans le cœur de la fleur. Bah, franchement, non, je viens de les tailler, ils se taillent plutôt bien. Hein. Après, franchement, pour le prix, hein, on ne va pas leur en demander non plus. Je vais pas leur en demander trop. Hein. Et est-ce que vous avez remarqué qu'on est 2950 et des poussières? Ici, là, sur ma chaîne. 2950. Non mais. Des fois, je dis à mon mec. Oh, on est bientôt 3000. Il me dit quoi, 3000 où? Je dis pas sur la chaîne. Oh, la folie. Je vais devoir vous faire un petit concours. La folie. J'en reviens pas.
J'aurais jamais pensé. Ah ouais, dis donc, 3 000 personnes chez moi, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas, hein, il y a un jardin, hein, on peut toujours faire un pique-nique. Hein. N'empêche, je suis en train de me dire, j'aimerais bien vous rencontrer. J'ai rencontré une fois une ou deux personnes, quoi. C'était à version scrap. Et elles m'ont reconnue avec ma voix. Ça m'a fait bizarre parce que la dame, elle me regarde et puis elle me dit, oh, je vous connais. Non, je vous connais pas. Bah, si, si, je vous connais, je regarde vos vidéos, vous êtes Alexandra. Oh, c'est moi. Mais vous voyez, faire un jour un truc dans la région. Si vous êtes du Rhône-Alpes et tout, franchement, j'aimerais bien. Et alors pour l'instant, Rhône-Alpes, hein, parce que bon, on va pas se déplacer non plus partout, mais. Dépêche. Tu les envoies pas par la poste? Tadam! En jaune, ça fait comme ça. C'est joli en jaune. Ouais, ça fait loin. Hein. Non, mais un jour j'irai à version Scrap Paris, je lui ai dit. Parce que bon, quand même. Et il faudrait, faudrait qu'on se fasse un truc, qu'on se regroupe. Eh bien, je sais pas. Normalement, j'aimerais bien y aller, hein, à version scrap, hein, mais est-ce que ça va être là? Quelle est la question? Est-ce que ça va y être? Moi, si ça y est, si tu me dis oui, c'est bon, oui. Il n'y a pas de souci, hein. Oh là, je suis en train de perdre la ligne. Ouais, à mon avis, là ils l'ont pas encore annoncé, mais à mon avis c'est Mortibus hein, là hein, pour le salon de cet automne. Hein. Parce que avec le corona qui recommence et tout, moi je vais pas aller. Tu me diras avec le masque. C'est pas de problème. Mais franchement, je te le conseille. Hein. Moi j'ai trop aimé aller à la version Scrapillon. Les 2 années là, c'était trop bien. Puis franchement l'année dernière c'était trop bien. L'année dernière j'ai rencontré Élise de Crazy Little Craft. Il y avait Jennifer de anciennement la chaîne Jennifer Passion. Et il y avait Laetitia de Laetitia. Oh mon Dieu, j'ai rencontré Laetitia, c'est la fille qui m'a donné envie de faire du scrap quand même. Donc c'est sur une de ses vidéos que j'étais tombée une fois et j'avais acheté mon premier kit tout en colle. Et donc je les ai rencontrés l'année dernière. Oh, c'était trop bien. On a parlé, on a fait tous les stands ensemble et tout, on a parlé. Il y avait Katia, il y avait Karine. Karine, c'est une abonnée qui vit pas loin de chez moi et du coup on s'est rencontrés. Une fois avant le salon, après je lui ai demandé si elle voulait qu'on fasse du covoiturage, donc elle était venue avec moi. Et il y avait Julie, c'était super. Franchement, moi j'avais du coup dans ma voiture, j'avais amené qui? J'avais amené Julie et Karine pour parler. On fait confiance, ouais, mais derrière ma caméra, je suis un peu, je parle un peu mieux, mais en vrai, je suis pas trop rassurée. Quand je rencontre des gens, je suis un peu timide, quoi. Derrière une caméra, c'est beaucoup plus facile hein, de parler.
Et surtout que moi, je vous montre jamais ma tête. Par chez moi, il y a la foire de Châlons en Champagne qui existe depuis 75 ans, qui est née d'avoir eu 4 ans. Ah ouais, dis donc. Ouais, je pense que les salons, c'est mort pour cette année, quoi. Et j'ai eu Laetitia une fois au téléphone du temps de tout en col, j'étais toute émue de reconnaître sa voix. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, c'est bien parce qu'on parle de ce qu'on aime et on aime toutes la même chose. Donc en fait, bah, la journée, elle passe plus vite que quand tu parles avec des gens qui n'ont pas la même passion que toi. Du coup, d'avoir la même passion que ensemble, c'est voilà, on s'arrêtait au stand, on disait ah oh, mon Dieu, regarde ces nouveautés, on m'avait perdu sur Florilège, voilà. Et voilà, en vert. Vert et turquoise. Donc il y a celle-là. Pas mal des combos couleurs là. Donc il faudrait que j'en fasse plus. Mais d'autres modèles. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même mieux que. Que celle-là là. Si j'arrive à les attraper. Ouais, hein, c'est mieux ça à gauche que à droite, non? Coucou Manu. À bientôt. Bah moi, je vais quand même bientôt couper aussi parce que je vais pas faire manger les enfants trop tard. Ouais, les fleurs à gauche, elles sont plus jolies, je trouve aussi. Donc je vais les faire comme ça toutes. Et puis après, je ferai mes ATC, mais je ferai ça hors caméra. Oui, le rendu est bien de ce crayon. Moi, j'aime bien. En tout cas, ils sont. Non, moi, je les trouve faciles à travailler. Et puis, bah, si vous les retrouvez dans les actions encore, je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais je pense que oui. Bah voilà, ils sont pas très très chers et il y a un bon panel de couleurs. Donc, pour le prix, hein, on va pas. C'est sûr que j'aimerais acheter des Prismacolor et des machins, mais voilà. Hein. Ceux-là, ça va très très bien. Les couleurs sont bien flash. Donc, voilà. Et puis, non, mais Sophie, je casse un peu le trip du salon version scrap. Mais franchement, si on peut faire une. Je sais pas moi. Une journée shopping, une journée, peut-être pas shopping, mais une journée rencontre dans une grande ville et tout. Si c'est pas trop loin de tout le monde, on peut essayer de se faire ça dans le Rhône-Alpes. Hein. Oui, à utiliser sur le DCP, ça glisse bien. Avec DCP, Bristol, voilà. C'est top. C'est exactement ça. Pour le prix, ils font le job. Mais ouais, cette semaine, je vais essayer d'aller chez. Normalement, je vais chez Action. Je vais amener ma maman qui est en fauteuil roulant depuis 1 an et demi. Je vais l'amener faire les magasins. Donc je vais aller faire les boutiques avec elle. Et je veux aller chez Action. Et si j'en trouve une petite boîte, je vous ferai un petit lot comme ça de. Je voulais vous faire un petit concours. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses intéressantes chez Action en ce moment. Du coup, ben, je vous achèterai des petits, deux, trois petits trucs pour vous faire une petite surprise. Je vais les laisser dehors. Ouais, bah on va réfléchir à ça, Sophie, pour voir. Bah déjà, on va attendre l'annonce de si oui ou non, version scrap est maintenue.
Parce que si tu vas sur le site de version scrap, ça dit quoi? Que maintenant, à 2 mois du salon, quand même, ça devrait. Il devrait le dire, non? Eh bien, ils disent que c'est maintenu pour l'instant, il n'y a pas marqué annulé. Après, je sais pas trop. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est maintenu, c'est pas marqué annulé, donc à voir. À mon avis, ça sera, si ça y est, ça sera masque obligatoire, hein. C'est pas le choix là. Donc on verra bien. Moi aussi je suis contente d'avoir passé un petit moment avec vous. Et pareil, je vais y aller parce que je pense que l'estomac de mes enfants va crier famine. Ah, parce que oui, après, on meurt de faim. On meurt de faim, maman, on meurt de faim. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci pour ce petit live. J'ai été complètement dépassée par les événements que Marine nous a dit que c'était tout sur le site là. J'étais complètement dépassée. Voilà, ça m'a émue. Bref. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à demain dans la vidéo de demain matin. Demain matin, c'est tuto page d'album. Donc, on reste connecté à l'album. C'est la page 5 et 6. Déjà, on arrive quasiment au bout. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, ben, je vous fais de très, 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 très gros bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao! Qu'est-ce qu'il veut, ce chien? Il veut ses croquettes? Oh, mais ce loulou, il veut ses croquettes. Oh, mais c'est lui qui a faim dans la maison. Oh. Bye bye.